revenez. Je suis sur la route. Je suis comme un cowboy des US. Revenez. Les abeilles, je vous aime. Merci pour le soutien. Merci encore pour le soutien des abeilles. Maintenant ma faux va sauf que chanter. Comme les gens disent que je chante pas bien. Bipez-moi Boro Sangui. Bipez-moi Boro Sangui. J'ai à sauf que Boro Sangui, tu es où? Voilà président, t'appelons cuit, on voit. Voilà président, t'appelons cuit, on voit. Pourquoi tu tournes autour de la présidence? Quel genre de présidence même? Quel genre de présidence? Quand on parle de présidence, on croit que c'est étourdi. On croit que c'est étourdi. Moi-même, je vis dans une présidence. Chez moi, c'est deux chambres. Chez moi, c'est deux chambres. Chez moi, c'est aussi deux chambres. Je peux dire que je suis une présidente. Je suis aussi présidente. Oh, attendez, quand j'aurai une maison, je viens vous montrer comment les vrais présidents vivent. Comment les vrais présidents vivent. Je veux sauf que vivre dans une maison. Je veux sauf que vivre dans une maison. Bipez-moi Boro Sangui. Allez lui ask son mari est où. Allez à sa Boro Sangui que son mari est où. Allez sauf que ask son gars est où. Il a poumé, il a fui, il a fui à cause de Facebook. Des ma poum poum te voilà qui recommence encore avec mon nom. Des ma poum poum te voilà qui commence encore avec mon nom. Quand je vais revenir sur toi raconter ton histoire de Lily. Comment tu as dormi sur le banc, tu as pété. Tu as fait le silencieux que tu as fait le silencieux. Des ma poum poum, laisse mon nom tranquille. Des ma poum poum, dépose-moi. Une vieille chouette qui est partie dormir avec le lespute, elle a payé 20 000. Espèce de lespute, des ma poum poum qui a pété. Des ma poum poum a ramassé deux vieilles chouettes. Elle a gnasse avec deux lesputes à 20 000, elle n'a pas payé. Des ma poum poum va payer le crédit du piment. Va payer ton crédit du piment. T'es ma poum poum, tu sais, je reviens sur toi. Tu sais, je reviens sur toi. Et je veux raconter encore ton histoire de Lily. Je prendrai tes vidéos en pleurs. T'es ma marabout, dépose mon nom. Tu es ma soeur du village, je te laisse. Parce que je vois le tribalisme. Tu es ma soeur du village, je te provoque pas. Dépose-moi. On voit le jeu que les autres font. Ils s'insultent comme les poissons pourris sont toujours ensemble. Ils s'insultent comme les poissons pourris sont toujours ensemble. Dépose-moi ma soeur du village. Dépose-moi ma soeur du village. On voit les autres en journée, ils sont avec moi le soir, ils deviennent du village. Des ma poum poum, dépose-moi. Je ne suis pas dans les sales jeux de tribalisme. Je ne suis pas des sales jeux de tribalisme. Ne tente pas avec moi. Ne tente pas avec moi. Pour Doudou Pompé, je la laisse à cause de ma jolie. Pour Doudou Pompé, je la laisse à cause de sa sœur. Pour
doudou pompé, je laisse à cause de sa sœur. Ces vieux choix d'hypocrite, je la laisse à cause de sa petite sœur. Je la laisse à cause de sa petite sœur. Doudou pompé, oublie-moi. Doudou pompé, je t'ai aidé. Tu as fait le tour des types, je t'ai fabriqué. Je t'ai fabriqué. Je t'ai donné ton nom, tata, je reprends. Désormais, je t'appelle Pompée. Les gens qui t'ont insulté, tu avais eux. Dépose-moi avant que tes tripes tranquilles. De la grille. Je vais descendre sur toi si tu prononces encore mon nom. Je sortirai la photo de ton blanc en train de descendre le camion. Parce que j'ai la photo de ton mari en train de descendre du piment de 30 euros. Je posterai ça pour montrer que toi-même tu es une ancienne vendeuse de pépins. Tu es une ancienne vendeuse de piment en retraite. Peut-être que tu vends toujours. Pendant les livraisons des tripes, tu peux toujours donner. Hypudesse, hypute, hypudesse, hypute. Quand elle voit l'argent, elle peut donner à quatre pattes. Voilà. On va descendre au Nganda. Manganda, j'arrive sur toi. Je vais d'abord taper un coup avant de te parler. Pour te montrer que tu n'es pas la seule qui tape un coup. Je vais te montrer que peut taper l'on coup plus que toi. Je tape même un kilo, ça ne me rend pas folle. Si je tape un kilo d'un coup, ça me lance pas folle. Manganda, je vais te traiter. Manganda, je vais te dire ton histoire. Toi et moi, tu m'insultes depuis, je ne parle pas en Ganda. Tu m'insultes depuis, je ne parle pas en Ganda. Oh, quand j'étais. Maintenant, tu es quoi, Ganda? Maintenant, tu es quoi, Ganda? Tu brûles tes mains tous les jours pour 10 euros. Ah, ces femmes de riches, la seule veuve pauvre qu'on connaît. Les vraies veuves qui gagnent l'argent sont comme les maths bien chouettes. Les vraies veuves des blancs ont touché quelque chose. Une veuve qui a la carte de quoi? Veuve, donc montre-nous ta carte bancaire. Tu n'as que la carte de retrait de la poste. Tu n'as que la carte des sans-papiers. Tu n'as que la carte de retrait des sans-papiers. Montre-nous ta carte bancaire, on voit. Tu n'as que le livret A. Tu as le livret A comme les veuves. Ganda, tu n'as pas de carte bancaire. Ganda, tu n'as pas de carte bancaire. Tu viens parler avec qui? Moi-même, je suis une ancienne timbrée. Je suis une ancienne timbrée. Tu fais des choses, on dit que tu es fort. C'est moi parce que tu prends un coup. Moi-même, je tape même un kilo. Je tape un kilo d'un coup, je ne suis pas fort. Laisse-nous ton bras, kata égoïste, aigri que tu fais. C'est pas de ma faute si tu as fini d'aller les mamites. Me voici à bord de ma voiture. Me voici à bord de ma voiture. Je dors chez moi. Tu as été chez moi, tu as vu. Tu as été chez moi, tu as vu. Tu penses que je suis ta tante doudou que tu insultes. Et ben quand t'as attrapé mes mains, je vais te doser comme une vieille chouette. Continue avec moi. Liberté, liberté, je ne suis plus obligé d'aller écouter les pianos, je marche à mon rythme, oh les amitiés dictatures de Facebook, les amitiés bracatao, comme certaines personnes, vraiment, les gens contrôlent même où on like, avant je faisais ça. Hein, tu as commenté, hein, pourquoi tu as mis avec l'autre alors qu'il m'insulte? Vous êtes libre d'être que vous voulez. Vous êtes libre d'être que vous voulez. Attendez, je bois. Elle boit en conduisant, ça fait quoi? Liberté. C'est quoi? On m'a arraché la bière. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse.
je suis malheureuse. Toutes ces femmes souhaitent le malheur, pourquoi? Elles ont jubilé comme enfermes. J'ai fait quoi toutes ces femmes? J'ai fait quoi toutes ces femmes? Une fille unie comme moi, elles sont allées appeler mon frère. Vous oubliez les gens qui ont faim au pays. Quelqu'un habite chez moi, il parle fort. Ouais, vraiment les ténèbres. Quelqu'un habite chez moi, il parle fort. Quelqu'un habite dans ma maison. Ouais, vraiment la famille, elle a fait quelque chose. Là, les gars, ils font comme s'ils sont bien. Quelqu'un habite chez moi, il me parle fort. Quelqu'un habite chez moi, il fait le Congo, ça de moi. Ouah, la famille, hein. Vraiment les Africains. Vraiment nos familles en Afrique, franchement. Mais c'est ça la famille africaine. Comment tu habites chez moi, tu parles fort. Je peux te mettre dehors si je veux. Mon grand frère. Je peux te mettre dehors si tu as la maison de ta mère. Tu peux go rester chez maman Anna. Moi, tu peux rester chez ta mère. Mais comme tu es mon frère, c'est le sang. Je te laisse, je fais quoi avec les maisons? Moi, je vis en Europe, tu vis là-bas. Ça serait malheureux de te voir clochard. Ça serait malheureux de te voir clochard. La blanche de Macumba. La blanche de Macumba, cette vieille chouette Wadele où? Vous voyez les familles en Afrique, que qu'habite chez moi, il parle de moi, que qu'habite chez toi, il parle de toi. Si je chasse le châssis, va go où? Les gens des ténèbres, j'aurai jamais le problème avec mon frère, même s'il dit quoi de moi. Il reste mon frère, il reste mon frère. Il n'a qu'à rester chez moi, ma pitié. Vous pensez que vous allez faire ça, allez me faire quoi? Vous allez pas me chasser de Facebook. Les gens africains, ils ont faim. Ils pensent tous que les blanches sont riches. Il y en a qui manquent même 5 euros. Les vieilles blanches qui n'ont rien. Les blanches qui n'ont rien. Votre buzz est déjà fini. Pourquoi votre buzz est fini? Et je suis toujours sur Facebook. Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps sur moi. C'est pas ma famille qui me nourrit, c'est moi qui nourris la famille. Je suis le Samuel Eto'o de ma famille. Je suis le Samuel Eto'o de ma mana. Vous pensez que qui parle fort à Samuel Eto'o? Quand tu as, c'est toi qui parle fort. Ouais, vraiment. Quand tu as un peu, c'est toi qui parle. Est-ce que David Eto'o peut parler fort à Samuel? Parce que c'est lui le patron. C'est moi la patronne. Quelqu'un habite chez moi, il me parle fort. C'est parce que j'ai pas voulu exposer mon frère. Sinon, je postais qu'en deux mois, je lui ai donné 500 000. Avec les preuves, il parle de moi, c'est obligé d'aider. Est-ce que c'est obligé d'aider les gens en Afrique? Est-ce que c'est obligé? Si je voulais, je postais les Western Union et les virements. En deux mois, tu donnes 500 000 à ton frère, c'est petit. Moi-même, je travaille quoi ici? Moi-même, je travaille quoi ici? Oh, les gens de Bengue. Les gens du pays, hein. Vraiment. Bref, la famille, c'est comme ça. Hein. Vous avez parlé, ça a changé quoi? Mon sang reste mon sang. Mon sang reste mon sang.
notre pétition contre maman Anna. Bosangi, sa main est d'aille dans les carabots. Bosangi, ta main est d'aille dans les carabots. Vous êtes jalouse de moi parce que je mets ma main à l'aise. Parce que je mets ma main à l'aise. C'est pour ça que vous êtes jalouse de moi. Vous êtes jalouse de moi. Allez, même faire les tombes de vos matins. Allez, faire les tombes de vos matins. Vous êtes jalouse de moi. Je ne mange chez personne. Je ne mange chez personne. Votre pétition est partie où? Votre pétition est go où? Vous allez parler les histoires de l'esprit. Je ne me connais pas dans ça. Je me connais pas dans ce genre de choses. Donne-moi ton mari si je vais pas le piner. Donne-moi ton mari si je vais pas le piner. Oh, elle est lesbienne. Ça a changé quoi sur moi? Ça a changé quoi sur moi? Est-ce qu'elle a été assumée? Je pars où avec les sales filles comme ça? Je pars où avec les sales filles pauvrades? Je pars où avec ces sales chiennes comme ça? Je marche avec les mannequins. Il neige. Ça fait longtemps. Ça fait, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu de neige. Je marche que avec les mannequins. Je marche que avec les top modèles. Je traîne que avec les milliardaires. Je le colle où? Trop. Je traîne que avec les milliardaires. Tout votre sabotage ne change rien à ma vie. Je suis parti au Qatar de mes propres poches. Est-ce qu'on m'a... Les pauvres filles comme ça. Moi j'ai la monnaie dans mon sac. Vous n'avez rien. Je suis parti au Qatar, je suis revenu. C'est un compte sur les relations des gens pour go. Moi au moins je go, je soutenis mon pays. Je suis allé, je suis revenu. Moi je tape ces glas où il faut. Je suis connu plus que vous. Je suis aimé aussi malgré mes défauts. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve comme vous. Et le waka de Facebook comme ça, c'est un vieux vanter le piment. Oh. Il n'y a aucune vidéo que j'ai déjà dit je vends le piment. Oh. Vous m'accusez gratuit. Je ne sais pas ce que c'est que vendre le piment. C'est si fou quoi devant moi, dis donc. Moi je donne ces manchots. Je partage ces mamans piment. J'écarte n'importe qui entre seulement. Les vieux bordels de pain chocolat qui parlent sur Facebook. Les vieux bordels de pain chargé. Les vieux bordels de pain œuf. Je m'aguida avec une tasse de lait. Dès qu'un gars lui a donné que. Donne-moi le spaghetti de sang. Deux œufs. Demi-pain. Mets le beurre de 25. Une tasse. On va dormir avec toi. Les waka de 500. Waka de 3,50 €. Elles sont des qui sont connectées vraiment. Certaines filles là, hein, je vais m'adresser à certaines filles qui sont au pays là. Vous savez, on peut bien vivre partout. On peut être heureuse partout. Si on se bat. Vous pensez qu'en commentant sur Facebook pour m'insulter, vos patrons, je sais que quand ils vont vous faire venir en Europe. Parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà donné les milliardaires à tous les membres de leur famille. N'est-ce pas, quand tu connais les milliardaires, tu commences par tes propres soeurs. Quand tu finis, tu as donné à tes soeurs, tu donnes à tes cousines. Vous croyez que c'est en allant m'insulter que vous allez, vous pensez que c'est comme ça, ça se passe? Au lieu d'aller vendre au marché comme la lionne, vous débrouillez. Une femme respectée, c'est celle qui se débrouille. Je ne suis pas une Moumou Sakaria. Quand tu es Moumou Sakaria, tu vas en mari, on te mate. Je suis une dominatrice. Je suis une femme battante. Une femme doit se lever, aller travailler. Qui vous a dit qu'on a les enfants? Mais une formation, tu sais faire quoi de ta vie? Rien. Je suis femme au foyer. C'est une profession. Je suis respectée par les hommes.
Et certains hommes me détestent parce qu'ils ont peur de moi. Oui. Certains hommes me détestent, ils ne veulent pas que leur femme me suive parce que ils ont peur que je vais dire à leur femme, sortez de la maison, vous partez travailler, vous partez vous débrouiller. Arrêtez de faire le Congo ça. Parce que quand c'est l'homme qui te donne tout, il te parle fort. Moi, on ne me parle pas fort. Par contre, je suis une femme très respectueuse. Je suis une femme au foyer. Hein? Ah oui, oui, oui. Je suis une femme indépendante. Quand une femme travaille, qu'elle cherche ses dos, elle est respectée. Même pas sa belle famille. On vous a dit que moi, je vais aller en mariage où, dès que tu tousses, elle mange l'argent de notre frère. Elle mange l'argent. Mof! C'est l'ancien temps. Les femmes d'aujourd'hui vont à l'école, elles sortent, elles obtiennent des diplômes, elles travaillent. Oui. Vous croyez que quoi? Vous asseyez à la maison, hein, j'ai gardé les enfants, il y a les nounous qui existent, allez travailler, putain de bordel. Allez travailler. Pour le rester sur Facebook, pour avoir les titres pour rien. Ou bien partir rester au pays, cultiver le champ. Quand une femme n'a rien à foutre en Europe, elle va cultiver le champ de sa belle-mère. J'estime que toutes les mamans du pays ont un champ, quelque part. Oui, on va cultiver le champ de sa belle-mère. Regardez-moi ces femmes-là. Elles sont assises dans les ménages. Je m'adresse aux femmes qui sont mariées là, qui se connectent pour parler que Florie, Florie. Quand vous me regardez, vous me parlez avec quoi? Vous existez par rapport à vos maris? Moi, j'existe par rapport à un homme. Je suis moi. Je ne suis pas sous couvert quelqu'un. Je suis Fleur de Lille. Enfin, je suis quelqu'un. Quand on parle de moi, on voit mes réalisations. Vous pensez que même si ce n'est pas l'argent liquide, vous croyez que quel homme va me parler fort? Quand elle me met devant ma réserve, que c'est mon immeuble là-bas. Vous croyez que quel gars va venir commencer à me parler fort? Hein? Il va plutôt me respecter. C'est tout. Vous restez les femmes au foyer. On vous donne, mais vous n'arrivez même pas. Moi, je ne comprends pas certaines femmes au foyer. Quand on a une femme au foyer, qu'on ne rapporte rien dans un ménage, on conseille son mari de bien placer l'investissement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on est marié, on a un homme, il a un peu de moyens et qui n'a rien foutu, mais c'est de la faute de qui? De la femme. Parce que c'est la femme qui tape, c'est la femme qui tient l'homme. Quand on ne travaille pas, on peut au moins conseiller à son mari de bien faire les placements. Je suis désolée. Quoi que c'est le genre de femme qui va traîner dans les bars accompagner mon mari boire, ça ne va pas, non? Mais bien regardez. Je ne sais pas, vous confondez souvent les gens sur Facebook. Hein? Vous croyez que c'est le genre de femme, avant d'accompagner mon mari boire, je vais me rassurer que les enfants ont bien dormi, qu'ils sont dans un matelas confortable, et puis maintenant on peut aller distribuer. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Est-ce que alors, si les temps sont durs, est-ce qu'on vit encore le matu vu, mon frère? Les gens qui vivent le matu vu, vous n'avez rien compris. Par contre, on peut se faire plaisir. De temps en temps, on va se faire plaisir. On va traîner tout le temps. Traîner, 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 c'est quoi? Quand j'aurai un homme dans ma vie, un vrai, hein? Vous allez même constater. Celui qui va m'accepter avec Facebook comme ça. S'il veut m'enlever, il va m'enlever, mais ce n'est pas avec la brutalité. On est d'accord? Donc, il faut arrêter de donner les leçons de morale aux gens, Fleur de Lille, là. Tu vois, certaines femmes, là, elles sont assises, là, en train de me critiquer. Hey, Fleur de Lille, là, si je ne suis pas sur Facebook, tu vas devenir quoi? Tu te lèves le matin, tu ne peux même pas te lever du lit, elle va faire un petit café à ton mari, même si elle est domestique. Les patapouf du pays, là. Elles sont là seulement dans le Congo, ça au téléphone. Elles regardent Fleur de Lille, elles regardent tout le monde. Mais attends, même quand on a les femmes de ménage, il y a des petits trucs qu'on fait pour son homme. Le matin, quand il va au boulot, est-ce que tu as posé ses vêtements sur le lit? Pour les femmes là, vous connaissez ce que c'est qu'entretenir un foyer? On m'a dit que, on vous dit que je vais me marier un homme, que mes amis entrent à la maison, ils sont en train de tourner le couscous. Ou bien de préparer le riz sauté. Oui, il peut le faire de temps en temps, ça fait plaisir. Mais je vais respecter mon homme, c'est tout. Vous parlez que vous êtes des femmes au foyer. Est-ce que vous savez que le soir, déjà, vous devez savoir que mon mari porte telle chemise demain? Pas que va chercher toi-même dans le placard. J'ai déjà repassé, c'est là-bas. Mais c'est plus comme ça un mariage. Tu prends la chemise qu'il va porter demain, tu mets à côté, tu dis chérie, voilà ton caleçon anglais. Tu portes, tu t'habilles comment demain? Tu portes quelle chemise? Voilà ce que j'ai posé sur le lit. Tu accroches.
le matin avant que ton mari ne parte au boulot, tu dois prendre le petit café avec lui. Vous êtes là, vous dites que vous êtes des femmes, des riches, mais vous ne connaissez même pas les bonnes manières. Le petit café le matin, le petit déjeuner d'un homme doit être fait par son épouse. Et non pas la domestique. Parce que ce sont des petits moments très importants à passer ensemble. Le petit déjeuner. Parce qu'il ne vient pas le midi manger à la maison, on est d'accord. Donc vous êtes seulement marié pour accoucher les enfants. C'est tout. Les bonnes manières, vous ne connaissez pas. Vos maris iront toucher les wolos. Si on vous dit que les bordels s'occupent bien des femmes, vous allez dire que des hommes, vous croyez qu'on manque. Tu te lèves, mais tu ne manges pas le midi, ton mari ne mange pas le midi avec toi. Le matin, fais-lui un petit café, chérie. Non. S'il ne prend pas le café, fais-lui une tasse de lait. Fais-lui les fruits. Il y a les fruits au pays. Tu dis, chérie, j'ai préparé tes fruits. Même si tu dors encore, au moins il se lève, il trouve que tu as porté le plateau dans la chambre. C'est posé, c'est pour ton mari. Quand il part, il te fait un bisou. Il est content. C'est qu'il suit quand il part, tu ne dors pas. Tu as un œil ouvert. Moi, quand je dors, si quelqu'un se lève autour de moi, je vais ressentir que la personne n'est pas là. Hein? Le soir, le matin, tu es sur Facebook, Fleur de Lille. Tu es là. Hein, je suis en train d'écouter Fleur de Lille. Hein? Ouais, maman Pépé a dit que quoi? Attends. Hein, ouais, Lolo, on ne la voit plus. Tu quittes là-bas, la veuve a dit quoi? Mais attends. Le soir, pareil. Mais tu ne manges pas le midi avec ton mari. Tu ne profites pas avec ta famille. Ta vie, c'est seulement les écouteurs. Les écouteurs et Facebook. Le soir, si la domestique a fait. Mais fais la table, dresse une table. Vous parlez là sur Facebook, vous êtes couché là. Vous mettez les connexions de 100 francs pour insulter les gens, mais vous ne connaissez même pas dresser une table. Le soir, il faut dîner avec son mari. Le soir, tu fais la table. Tu manges avec tes enfants si ton mari rentre. C'est pour ça que vos maris ne rentrent pas. Quand il finit, ça arrête au poisson braisé, il mange, il rentre dormir. Pourquoi? Parce que quand il arrive, tu es sur Facebook. Tu dis, bah, t'as nourri, j'ai des amis, non, mange, non. Mais c'est pas comme ça, chérie. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Eh, mange, non. Va regarder toi-même là-bas ce qu'il y a. Mais c'est pas possible, le mariage des Africains, c'est terrible, hein. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous vivez ensemble, pourquoi? Hein? Faites des efforts. Faut faire des efforts, mes cœurs. Il ne faut pas seulement dire que le gars l'a changé. Il a changé parce que tu ne t'occupes pas bien de lui. Il rentre seulement à l'heure pour dormir. Il rentre, il calcule son heure. Il sait que, bon, tu es sur Facebook. Quand Flor de Yé a dit que quoi là, moi, je n'enlève pas moi les femmes en mariage. Ne partez plus gâter vos mariages en parlant de moi. Je vous préviens. Je ne vous ai pas toujours dit d'aller vous occuper d'abord de vos familles. Moi, je ne comprends pas ces femmes. Vous ne vous ennuyez pas. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais m'ennuyer, putain. Vous faites comment pour commencer? Ça dit que rester toute une journée. Franchement, je suis très active. Hein. Je ne peux pas rester sans rien faire. Même quand je suis à la maison, hein. Soit je suis en train de cuisiner. Si je suis en train de faire un truc, quoi. De ranger, de regarder. On arrive chez vous. Mais tu ne fous rien. Essaye même de bien dresser le lit. Tu dresses le lit, tu fais les modèles de draps, tu vois. Quand tu dresses le lit, tu fais ça joli, joli. Quand le gars rentre, il voit comment le lit est dressé, il dort. C'est pas que tu laisses un drap pendant 10 jours. Jusqu'à c'est le gars qui te dit que ouais, le drap s'il me gratte déjà, tu ne changes pas. Toi-même, tu ne sens pas la saleté. Tellement tu es une femme sale. Comme tu mets le jansan sur toi, tu crois que tu es trop propre. Hein? Il faut voir. Est-ce que tu lui les serviettes, lui même serviette pendant des semaines. Mais c'est pas possible. Mais allez arranger vos maisons, allez arranger vos intérieurs. Avant de venir me parler sur Facebook, vous pouvez me donner quelle éducation. C'est moi qui peux vous conseiller. Parce que je suis rococo, moi. D'accord? Il faut arrêter. Il y a des trucs, des petits trucs. Je sais pas, le week-end, la semaine comme ça, tu peux sortir, chérie, allons prendre un verre. Ou les sales, les vieilles chouettes chiches comme quoi. C'est pour ça que tu pars à la réunion, tu cotises en cachette, c'est vrai. Tu fais tes tontines en cachette, il ne faut jamais dire toi, hein, non. Je suis d'accord. Mais ma chérie, de temps en temps, rentre avec un cadeau à la maison, non? Dis à ton chéri, mon cœur. Oh là là, regarde ce que je t'ai pris. Ça te plaît? Mais pourquoi c'est toi un homme qui va donner une femme, en fait? Moi, je ne vous comprends pas, vous les Africains, là. Vous les femmes africaines, là. Pourquoi vous avez cet esprit-là que c'est tout l'homme qui va vous donner? Mais c'est le geste qui compte, putain.
La reine m'a ramené les axes là-bas. Il y a les parfums là au pays, les petits senteurs de maison là, les déos. Tu peux poser un. Quand ton mari entre, ça sent bon. Il te dit, ah chérie, ça sent bon. Tu mets dans la chambre, tu fais les petits trucs jolis, jolis. Dans la chambre, quand il rentre comme ça, il n'en met pas. Vous savez pourquoi certains hommes sont dehors? Parce que quand il rentre chez lui, c'est tellement désordonné, c'est sale, ça l'énerve. Il va rentrer foutre quoi, une femme qui passe sa vie que sur Facebook dans le commérage. Hein? C'est quoi ça? Elle prépare, ça se brûle. Quand on prépare la nourriture, ça se brûle. On ne sait pas n'importe comment, sauf le riz sauté. J'aime quand c'est un peu brûlé. C'est bien le riz sauté qui est un peu brûlé. Hein? Tu peux venir là, tu achètes une chemise à ton mari. Tu laves bien comme les doigts la font là. Tu doses l'amidon. Hein? Tu repasses. Tu offres à ton homme. Moi, je comprends pas. Vous n'aimez pas. C'est pas les petits cadeaux comme ça, offrir un homme. Offrir un homme, je ne veux pas dire qu'il est gigolo. Je suis désolée. Hein? C'est pas comme ça les filles. Oh, je ne peux pas donner un homme. Je ne peux, eh bien, un homme va te donner. Vous avez trop l'esprit comme ça. Et puis certains hommes là, quand une femme vous donne, c'est pas parce que vous les escroquez. Hein, parce que on donne pas un homme aussi par amour. Parce qu'il y a certains hommes là, quand sa femme lui donne, même il offre, quand il a même un gars qui donne, tu entends, oh, c'est elle qui m'a donné ça. C'est-à-dire qu'il parle d'une façon méprisante. Alors que c'est par amour, c'est pas de l'arnaque. Non, elle t'a donné parce qu'elle trouve que tu n'as pas assez. C'est pour ça qu'elle te soutient. Elle ne te soutient pas parce que tu l'escroques. Hein? Elle te soutient pas. Il y a des femmes qui prennent même à leur famille pour donner. Pour une vraie femme, quand elle est dans une famille aisée, que le gars n'a rien, elle prend, elle aide la famille. Pas la famille du gars, mais elle prend pour mettre son ménage à l'aise. Certaines femmes sont orgueilleuses, elles ne prennent pas leur famille. Elle-même, elle travaille, tu vois, elle donne à son mari que va donner à ma famille. Il y a des femmes qui font ça. Que chérie. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Pas comme certaines filles, c'est devant les gens qu'elle montre qu'elle donne à son homme. Mais franchement, c'est ridicule, hein. Comment tu peux sortir avec ton homme? Tu sais que c'est toi qui vas payer, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu peux avec ton homme boire un verre. Est-ce que tu es obligé de sortir l'argent devant les gens? Payer pour montrer que c'est toi qui paye la facture. Mais tu peux lui donner avant. Quand vous sortez de la maison, tu glisses dans sa veste, tu dis que non, chérie, non, c'est toi qui gère. C'est toi qui gère par amour, en fait. C'est pas que devant les gens, tu as envie de montrer que c'est toi qui paye. Prends dans mon sac. Donne-moi mon sac. Machin, tout ça. Mais c'est ridicule, hein. C'est vraiment ridicule. Parce que le gars n'a rien. Devant les gens, surtout certaines filles de l'Europe là, ça c'est leurs habitudes ça. Qu'elle arrive au pays là, qu'elle a son bon petit gigolo là même, elle veut montrer que c'est elle qui donne au gars. Elle gronde même, et vraiment, c'est pitié hein. Tu donnes à quelqu'un, tu oublies, tout le monde est obligé de savoir. Si tu donnes à un homme, par exemple, est-ce que tout le monde est obligé de savoir que c'est toi qui es payé? Donne-moi mon serveur, paye le resto. C'est combien? Tu as ton serveur? Tu entends? Oh, serveur, c'est combien la facture? Elle est comme ça à la caisse là-bas. Hein? C'est combien? Elle veut que les gens entendent que c'est elle qui paye. C'est combien? Tu entends? Chérie, prends l'argent dans mon sac. Oui, mon sac, il m'envoie aux toilettes. Tout ça parce qu'elle veut qu'on sache que c'est elle qui a payé. Et alors? Ça fait quoi? Tu peux payer discrètement. Mais. Et puis même, tu payes même d'abord devant les gens. Pourquoi? En quittant la maison, tu vas donner l'argent à ton gars. Tu dis que chérie, on va aller au restaurant, on va le budget. Et non, je veux que c'est moi qui t'invite. Apprenez à dire à vos hommes que c'est moi qui t'invite. Il dit que non, une femme ne paye pas pour moi. Tu dis non, chérie, j'insiste. Arrête de dire une femme ne paye pas pour toi. Je suis ta femme. On s'aime, oui ou non? On sait, non? Mon argent, c'est pour toi. Mais ça veut dire qu'on peut utiliser. Prends la carte. Prends la carte, bébé. Il n'y a pas de problème. Mais ne donnez pas vos cartes à tous les gars. Il y a les gars malhonnêtes ici dehors jusqu'à demain. Maman, tu l'aides demain. Hein? Il commence à se mettre devant les gens. C'est pas toi qui m'achetais. Hein? Il commence à appeler les témoins.
Hein? N'est-ce pas un jour tu m'as donné ta carte jusqu'à tu as donné le code? Hein? N'est-ce pas tu voulais seulement m'acheter? Les villageois là. Les vilains concons là. Il faut être discret. Les hommes n'aiment pas quand une femme montre trop que c'est elle qui. Les hommes n'aiment pas ça. C'est pas bien. Certains m'ont dit que oui, mais elle parle bien, mais pourquoi elle n'a pas d'homme dans sa vie? Ah bon, hein? Le cordonnier à la chaussure. Hein? Tu ne me donnes pas ton frère qui est célibataire là. Ou bien ton oncle là. Vous êtes vraiment faux. J'ai mon oncle qui t'aime jusqu'à. Il t'aime jusqu'à. Mais il aime bien ce que tu fais. Mais. Nous sommes sans Djumba. Où est le problème? C'est que coup derrière le mariage, maman. Une mafo ne se marie pas. Maman. J'ai mon frère qui t'aime jusqu'à. Mais il a peur. Il a peur de quoi, voyons? Il a peur de quoi, chérie? Hein? Il a peur de quoi? Non, il a peur d'être sur Facebook. Parce qu'il n'est pas déjà sur Facebook. Psst. Franchement, il y a des gens qui m'énervent souvent. Hein? Tu les entends? Non! Les gens de ma famille ne sont pas sur Facebook. Mais ils ont alors les infos des gens comment? Ils ne sont pas sur. Ils me connaissent. Les gars sur YouTube. Mon oncle t'aime jusqu'à. Oh, il dit que tu peux être une bonne femme. Et puis, je suis une bonne femme, wesh. Je suis une bonne femme, bien sûr. Et j'ai mon caractère aussi. Hein. Je ne suis pas facile. Hein. En fait, moi, je suis un peu bizarre, en fait, tu vois. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours tendance à être des personnes qui font chier, en fait. Moi, j'aime pas trop quand quelqu'un est mou, en fait, tu vois. Genre un mec qui est... Qui dit oui, amen, tu vois. Moi, j'aime un peu, je sais pas, tu vois, comme monsieur là-bas, une gringo, tu vois. J'aime un peu, mec qui, tu vois, un peu sévère, mais pas trop, mais quand même, tu vois, qui dit pas oui à tout, hein. Tu vois, parce que moi, si tu me dis oui, 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 après, moi, je veux, tu vois, un peu, tu me dis oui, oui, moi, j'aime un peu. À 15 et je me garer puis je prends la ligne. Oh putain, c'est quoi ça, la moto? Oh là là, il est quelle heure là? Hey, j'ai une heure là pour courir dans les transports. Mince, j'ai une heure, le temps d'aller. J'ai mon frère qui t'aime, mais c'est que il a vu que c'est ma vie là-bas, c'est la vie virtuelle, non? Je suis une bonne femme au foyer. Laissez le gars qui va m'épouser. On va aller au Bahamas. Mon mariage, il n'y aura pas trop de gens. Hein? Sinon, vous allez payer seulement l'entrée de ce mariage. Je vais me marier. Quand je vais me marier, aïe, maman, c'est que je vais me marier avant certaines. Dès que maman Pépé se marie l'année prochaine, après c'est moi. Après le reste, c'est après. Makota! Ce qui est sûr, c'est ça. Je fais un big up à la TKC. Je vous fais des gros bisous comme ça. Oh, bon, à la TKC qui m'aime bien. Hein. Je fais un big up aux abeilles. Aujourd'hui, demain et après-demain. Je fais un big up au Lolo Manioc. Certains qui m'apprécient. Je fais un big up pour voir rien. Certains qui m'apprécient. Parce que sachez qu'on hein, est sur Facebook comme ça. C'est parce que tout ce que nous, vos patrons, ont fait là que nos suiveurs sont d'accord. Hein. Non, 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 non. Il y a des choses qu'on fait, nos suiveurs disent que jamais. Ça ne doit pas être comme ça. Comme l'histoire des ténébreux là. Merde. Vous avez vu ça où? Si vous savez, moi, mon entourage, Elie Vakin peut confirmer, je ne suis pas une personne déjà, Mini Minon, ni Vakin, ils peuvent confirmer. Avec eux, je ne les ai jamais dit qu'elle va répondre à tel.
C'est pour ça que je profite pour passer un petit message en Ibakine en lui disant, tu es un petit que j'apprécie beaucoup. Chaque fois quand tu as eu besoin de moi, j'ai été là. L'exemple de ton anniversaire au Luxembourg, quand on avait fait pendant le Covid, quand tout le monde est tombé dans le Sissongo, tu as vu que nous sommes restés qu'à deux à nettoyer. On est resté à deux. Quand les niais ont fait que caca, tout le monde a fui. Nous sommes restés qu'à deux. Le matin, on est resté à deux à dégager les choses, à faire ceci. Ça, c'est une preuve d'amitié. Alors, mon petit, j'aimerais que tu aies beaucoup de retenue. Surtout sur mon histoire qui concerne avec tes nouveaux parents d'aujourd'hui. Il faut que tu aies de retenue par rapport à cette histoire. Tu sais, dans la vie, quand on a deux personnes qu'on aime bien, qu'on apprécie, qui sont en désaccord, au lieu de parler, on reste neutre. Parce que c'est pas obligé de... Rien ne t'oblige à parler de ça. On reste neutre. Moi, je dis encore aujourd'hui, je n'ai aucun secret avec personne là sur Facebook. Aucun. Parce que chaque fois quand je me suis exprimée, j'ai toujours eu beaucoup de retenue. Je n'aime pas offenser les miens. Je n'aime pas du tout. Et je ne mélange pas les choses. Je ne mélange pas. Je ne peux jamais dire à Nibaki, ne parle pas avec elle. Parce que chaque fois qu'on était ensemble, avant que ça ne se gâte avec les autres, ils ont été amis. Pendant que eux et moi, on était des amis, on était dans la même team, il était aussi là-bas. Il parlait avec eux. Il se faisait des confidences. Je ne lui ai jamais demandé qu'est-ce qu'on a dit de moi là-bas. Il peut être témoin. Donc je veux que quand il parle sur Facebook, moi je ne refuse pas ses guerres. Il fait les guerres avec qui il veut. Mais quand ça me concerne, il faut qu'il ait beaucoup de retenue et beaucoup de respect parce que c'est une personne que je respecte. Et je veux que ce respect-là, en retour, soit pareil. Qu'il n'y ait pas d'écart. De langage en fait. Qu'il n'y ait pas de cas de langage. Parce que s'il faut qu'il fasse la paix même un jour, c'est pas lui qui nous fera faire la paix. Parce que pendant que nous, on était. La façon que j'étais avec ces gens-là, ils n'étaient pas là. Ils les connaissent sur Facebook. Et ils se fréquentent, ils sont amis sur Facebook. Moi, j'étais réelle pendant des années. Borosang a dit qu'elle était là pour calculer le nombre d'années qu'on a été amis. C'est chacun qui ressent sa colère et sa blessure. Je ne veux pas que quelqu'un se mêle de cette histoire. Surtout vous qui avez été dans mon entourage. Parce que l'amour, ce n'est pas donné. L'amour, ce sont des preuves, des gestes. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que tu m'as donné un champagne, parce que tu m'as donné un bonbon. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est d'assister une personne, physiquement d'abord. Parce qu'il y a l'aspect physique de la chose. Quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, t'assiste physiquement quand tu es dans les moments, que ce soit des moments de bonheur ou de malheur. Ça, ce sont des trucs physiques. C'est très important, le physique. C'est-à-dire que quand on dit que l'amour, ce n'est pas donné. Parce que tu peux m'envoyer 10 000 euros, même 20 000 euros. J'ai un malheur. Celui qui m'assiste, certes, ce que tu me donnes, c'est important. Mais la personne qui vient m'assister, vient encore, c'est encore plus que ce que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Je ne veux pas que les choses soient confondues. Oui, il ne faut pas confondre les choses. Chacun connaît sa douleur. Je me suis clashé longtemps avec compresseur. Ça, c'était avant. C'était avant, c'était il y a très longtemps. On s'est tous clashés. Mais moi, j'ai eu beaucoup de retenue. Parce que je ne peux pas regarder seulement ça. Je peux regarder aussi que, mais attends, Nivakine a clashé beaucoup avec Lolo. Oui, comme nous tous. Mais ils sont amis. Est-ce que moi je vais entrer dedans en disant que, n'est-ce pas, tel avait dit que, tel avait dit que. Je ne vais pas entrer dedans parce que il ne s'agit pas de ça. Quand je suis allée faire la paix avec Compresseur, j'ai demandé aux autres aussi de faire la paix avec elle. Mais je ne leur ai pas obligé. Faire la paix ne veut pas dire qu'on est amis. Mais moi, je suis amie avec Compresseur et j'assume aujourd'hui, demain et après-demain. Je l'assume, même si nous sommes des amis, qu'on ne s'appelle pas matin, midi, soir et tout. Mais si c'est important, on va s'appeler. Je ne vais pas mélanger parce que nous tous, on ne se connaissait pas. Compresseur et moi, on s'est engueulé, mais à cette époque, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas, on n'avait jamais mangé ensemble, non. J'ai pas envie que
d'arriver là où je ne veux pas arriver avec certaines personnes. Ça ne serait pas beau à voir. Ce qui s'est passé sur Facebook, c'est la vie qui est faite ainsi. La vie, c'est comme ça, on se rencontre, on se perd. Même dans les familles, même père, même mère, il y en a qui ne se parlent pas. Moi, je suis resté longtemps sans parler avec mon grand frère. Mais ça reste mon frère. Laisse la bite chez moi. Alors que j'avais dit qu'elle ne parlait plus jamais avec lui. Mais il habite chez moi, non? Mais c'est comme ça la vie. Les gens se rencontrent, les gens se séparent. La vie est faite ainsi. Il n'y a rien qui retient l'eau. Il y a même les familles, il y a même les personnes qui ne parlent pas à leur propre mère, à leur propre père, qui ne se parlent pas, ça fait des années. Je parle des Africains. Donc, je ne veux pas entrer dans certaines petites polémiques. Parce que nous tous, on s'est insultés. Oui. On s'est insultés, nous tous. Moi, je suis en foi avec Lolo. C'est vrai. Parce que j'estime que quand tu fais la paix avec une personne, son général ne peut pas s'attaquer à moi. Elle ne dit rien, c'est pas possible. Même par hypocrisie, tu vas dire l'affaire qui concernait. Si cette fille et moi, on était un couple, en quoi ça les regarde en fait? Mais si tu es maltraité dans un ménage, mais va à la police. Et si c'est sur Facebook que tu vas te plaindre? Quand j'ai vu comment son général s'est attaqué à moi, elle n'a rien dit. J'ai dit que non, c'est pas possible. Ces personnes avec qui ils sont aujourd'hui, c'était mes gens avant. Ce passé n'est pas venu reposer en postant les captures d'écran de mon échange avec mon expert quand je suis revenu du pays. La première fois quand j'étais au pays, là, il voulait déjà me porter plainte pendant qu'il réclamait mon argent. Quand je suis rentré, il m'a envoyé un message. Oui, je voulais même te faire enfermer, mais machin, tout ça. J'ai ça. Je n'ai pas seulement voulu entrer en cours puisque j'ai fait un dernier poste pour dire que je ne suis plus dedans. Sinon, je partais maintenant dans les preuves. Tu ne peux pas chercher à enfermer une personne à qui tu dois de l'argent. Non, c'est pas que tu, puisque je n'ai jamais dit lui. Je réclame quand même mon argent, mon frère. Vous savez que ça m'a fait jeter l'air. J'ai pété les plombs. Hein? Parce que cet argent ne m'a jamais servi à faire ce que j'avais envie de faire avec. Un an de perdu. C'est une place super. Hein? Quand même, il faut arrêter. Ne parlons pas seulement des choses et des gens sans comprendre le fond. Hein? Il faut qu'on arrête. Moi, je n'ai jamais obligé quelqu'un que va aller me supporter sur Facebook, aller dire ceci. Non. Mais il faut qu'on ait le respect entre nous, gars. Non. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vécu. Hein? Moi, j'ai vécu des choses. J'ai beaucoup souffert de ça. Hey, je mets la clé. Ok, bon. Pardon. J'avais soif. C'est toi qui m'as empêché de boire. Ma valise, je prends une valise. L'autre, c'est pour aller aux États-Unis. Alors, mon menton. Make up. Arrête le direct. Pourquoi prends une bière, tu vas boire ça. Non, tu ne prends pas la bière. Bon. Mon manteau. Maman, j'ai souffert chez les Arabes là. On ne voit pas la vie. Regardez, celle-là, c'est parti. Ok. Ok, tout de suite. Tu veux pisser? Bah viens, vas-y pisser. Ma bière, si. Oh, attendez, bois vite.
Tu es pissé, comment ça marche? Ma bière. Ma bière. Hey, maman. On va me reconnaître avec l'argent. Ça veut dire quoi? J'ai pris un ticket dans le TGV. Ok, très bien. Ouais, c'est bon. Ma bien. Ma bien. Voilà. C'est fermé. Ma bien. Je mets ma bien dans mon sac. Et bois ça dans le... Ok. Ma bien. Yeah. C'est pas ma soeur ici là. Ça tombe bien. Non, c'est pas grave. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ouais. Maman, je suis même cachée comme ça, on me reconnaît toujours. Merde. Caché comme ça. Ouais. Maman. De toute façon, je suis caché. J'ai beau monter mon habit. Attends, je fais le côté. Maintenant, les clés de la voiture, tu les laisses en haut. S'il te plaît. Moi, j'attends en bas. Le côté. Pousse. Je bois ma bière. La bière. Aimez la salopette des cœurs. Ah, on va. Ah. Oh, pouf, c'est ouvert. Tiens les clés à la voiture. Merci. Anna, regardez comment je suis habillée. Ouais, arrêtez de m'appeler. Le ventre à placa debout. Placa debout, debout. Le ventre à placassier. Maman, il commence à marcher. Lalende. Je bois ma bière, on n'allait pas. Qui m'appelle? Oh. Odélie, arrête de boire la bière. Est-ce que j'ai bu? Oh, c'est magnifique. Ça donne envie de se coucher là pour dormir. Oh là là, ton lit est magnifique. Alors. C'est qui ça? C'est qui? Bisous, je vous l'embrasse. Bisous. Ah, pardon. Non, non, c'est bon, j'ai... Non. Merci. Liberté, 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 liberté. Regardez ma salopette. Je suis habillée en salopette. Je cours, maman. Je suis. Maman, je me fais comment? Oh là là. Oui! Allô? C'est au 1. Au 1, tout au fond. Saute seulement, oui. Oh, tout au fond. Premier étage, tout au fond. Moi, je commence à marcher, hein. Oh. Franchement. Quand je commence à voir qu'à là. Comment je vais rater mon truc?
Oui, je commence à marcher, hein. S'il te plaît, tourne-moi là-bas au métro. Pardon, le RER là. S'il te plaît, aimons halte. Je commence à marcher. Je vais te montrer, non? Derrière le tabac. Je commence à marcher là. Moi, il est à 13h. Mon truc, c'est dans 40 minutes. Le temps d'arriver à Paris, c'est 20 minutes. Arriver. Non, 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 il faut que je parte. Non, pardon, moi, je bouge. Bisous, hein, les amours. Je vous embrasse, non? Bye.